il ne reste rien du patrimoine qui a nourri la légende Tapie. Ce que Dominique Tapie a découvert seulement après la disparition de son mari. Non, j'écris pas ça. Je pense qu'elle n'était pas au courant de l'ampleur des dettes qui allaient rester après la disparition de son mari. Jusqu'au bout, il a pensé qu'il pourrait inverser le cours de la justice. Il attendait ce jugement au pénal dont il espérait beaucoup. Et il est décédé 48 heures avant le jugement, ce qui est aussi peut-être, et je l'ai écrit à la fin de l'article, c'est peut-être qu'il sentait que son scénario idéal, qui était de pouvoir renverser en fait le jugement civil avec cette relaxe au pénal, finalement était illusoire et la vie a lâché à ce moment-là. Elle découvre quand même des choses. Elle vivait à l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères. Elle va devoir le quitter à la fin du mois. Elle le découvre là, il y a quelques... Non, elle ne découvre pas l'hôtel particulier, comme tous les biens immobiliers des tapis étaient saisis depuis 2015. Depuis François Pinault qui l'a racheté lui demande de quitter les lieux à la fin du mois. Et là, elle, dans l'article en tout cas, elle a une réaction très surprise. Oui, elle dit à François Pinault, elle dit, j'ignorais que mon mari avait vendu. Et j'écris prétend-elle parce que... Quand on regarde quand même, quand on examine les faits, ces biens ont été saisis. Ce qui est incroyable dans cette histoire Tapie, c'est qu'il donnait l'illusion que tout était comme avant, en fait, qu'ils avaient, avec cet arbitrage mirifique qui était arrivé en 2008, la belle vie reprenait comme dans les années 80. Et en fait, c'était, comme m'a dit un des juristes du dossier, c'était finalement les clochards les plus célestes de Saint-Germain-des-Prés. Enfin, les clochards, ils avaient quand même un hôtel particulier. Donc cet hôtel particulier, ça ne va pas suffire pour rembourser les dettes. Ils n'avaient plus. Tout était saisi dans l'attente du jugement. Donc légalement, en fait, ils n'avaient plus. Ils n'avaient même plus de carte bleue ni de chéquier. C'est ça qui est un peu... Mais continuer à mener un train de vie démesuré, les créanciers croyaient à l'existence d'un magot caché. Absolument. Il avait un compte que lui avait laissé le juge Tourneur, qui est un juge réputé coriace, mais qui lui avait laissé par humanité et parce que aussi il disait que c'était pour alimenter la Provence, donc c'était aussi la manière de faire subsister un journal, c'est pas rien aujourd'hui, et par ce compte-là, il a pu régler certaines dépenses personnelles, mais c'est vrai que tous les créanciers se demandent comment il a pu maintenir ce train de vie. C'est pour ça que j'ai dit le magicien est parti et la réalité tombe, et la réalité tombe sur cette famille de manière terrible, parce que cette femme qui a été d'une dignité, d'une discrétion, toute sa vie, qui l'a soutenue, c'est encore une histoire de femme qui morfle, mais on en connaît beaucoup dans l'histoire, toutes. Vous titrez seule et ruinée, il y a quand même des amis sur lesquels elle peut encore compter, Bien sûr, et ses enfants, il y a une fratrie, et il y a effectivement Jean-Louis Borloo, je pense qu'on aimerait tous avoir un ami comme Jean-Louis Borloo qui veille à sans ça. Lui, vous dites, elle n'aurait pas de toi aujourd'hui. C'est en tout cas lui qui lui a trouvé un appartement. Elle va quitter le lieu dans lequel elle habite depuis 35 ans. Mais encore une fois, on le découvre. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a eu des obsèques nationales. Enfin, ce scénario a été écrit, sauf que lui était dans le déni. Et puis, il croyait lui-même, ou voulait y croire, parce qu'il y avait aussi cette lutte contre la maladie. La lutte contre la maladie rejoignait le combat judiciaire, en fait. Et qu'à un moment, le réel est revenu en plein fouet.